À Dallois, le grain du quartier commerce connu sous le nom de la Sorbonne et composé essentiellement de transporteurs a reçu la visite du ministre Mamadou Touré. Objectif, échanger avec eux pour connaître leur réalité et particulièrement les difficultés qu'ils rencontrent dans leur domaine d'activité. Cette rencontre nous a permis donc d'échanger sur toutes les questions en rapport avec leurs préoccupations au quotidien ici à Dallois, mais aussi en rapport avec l'actualité politique de notre pays. Nous avons parlé du RHDP, de la nécessité de la cohésion au sein du RHDP, de la nécessité de souligner tous les candidats du RHDP aux élections à venir. Nous avons parlé donc des critiques formulées par l'opposition contre la gouvernance du président Ouattara, en essayant de le mettre à disposition des éléments donc de réponse face à ces critiques non fondées venant donc de l'opposition. Parmi les problèmes évoqués par les transporteurs de Dallois, l'état des routes est revenu à plusieurs reprises. En réponse, le ministre Touré Mamadou a profité pour informer le grain des dispositions prises par l'État pour que le problème des routes soit un vieux souvenir à Dallois et dans le Haut-Sassandra. La bonne nouvelle que je lui ai annoncée, c'est que le président a accordé 25 km de bitume à la ville de Dallois. Donc dans quelques mois, ces problèmes de voirie seront un lointain souvenir. Les transporteurs de Dallois attendent donc impatiemment la réalisation de ces projets afin de voir la durée de vie de leurs véhicules prolongée.